Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous accueillir dans le cadre d'une visioconférence organisée par l'IRIS. Cette visioconférence se déroulera en deux temps. Un premier temps qui concernera le visionnage du film Le Président, comment sait-on qu'il est temps de partir, de Jean-Pierre Bécolo, que je remercie pour sa disponibilité et pour nous avoir offert la possibilité ce soir de regarder son film. Puis, à partir de ce film, nous engagerons un débat avec vous, chers internautes, sur le thème Processus politique en Afrique, quels enjeux? Participeront à ce débat mes deux invités de ce soir, que je remercie bien évidemment. Et qui sont par ailleurs des amis, que sont Jean-Pierre Bécolo et Gilles Yabi. Que sont Jean-Pierre Bécolo et Gilles Yabi. Alors, pour faire plus ample connaissance, permettez-moi de vous introduire chacun de mes invités. Jean-Pierre Bécolo, qui est actuellement à Yaoundé, est un cinéaste camerounais né. Repéré au Festival de Cannes dès 1992 avec son film Quartier Mozart, enrichissant sa filmographie au fil des années. En 2015, il accède au rang de lauréat prix Prins Claus décerné par le Pays-Bas, qui le nomme, je cite, pour sa créativité, sa résistance, son irrévérence et son travail de refonte des idées dominantes concernant le cinéma africain, pour la création d'une œuvre innovante qui à la fois divertit et transmet un message sociopolitique fort. Son originalité, sa créativité lui valent encore une rétrospective de son œuvre au musée du Quai Branly en 2018. Jean-Pierre, je te remercie d'être là parmi nous ce soir. Merci. Gilles Yabi, économiste, politologue reconnu, est le fondateur et le président du think tank Wati, qui, de la langue Bamanankan au Mali, signifie allié, et son allié est le temps. Wati est un think tank inscrit dans la longue durée, dans le débat, avec pour mission de changer le présent et l'avenir de l'Afrique de l'Ouest et ses régions voisines. Wati, c'est également une vision d'un monde pluriel, un engagement en faveur des mobilisations collectives nécessaires à une transformation des sociétés humaines. C'est au regard de ces valeurs, de ces visions en partage, que l'IRIS et Wati ont inauguré en février dernier un observatoire 2020 des élections en Afrique de l'Ouest. Vous l'aurez compris, être ce soir devant vous, tous les trois, fait sens au regard de nos travaux respectifs et en commun. Avant de lancer le film de Jean-Pierre, je tiens spécialement à remercier Delphine Lecombe, Nathalie Moreau et Pierre Benoît, que vous ne verrez pas ce soir, pour leur investissement respectif, car cela relève de la gageure et de véritables compétences techniques de vous proposer ce soir ce double format film et débat. Oui, pour nous, c'est une première. Alors, d'aventure, vous nous excuserez si jamais il devait y avoir, comme on dit en bon français, des bugs. Place au film de Jean-Pierre. Alors là, chers internautes, il se peut qu'il y ait une ou deux minutes d'attente, le temps que le film soit diffusé. Chers internautes, chers participants, je tiens tout d'abord à vous présenter mes excuses pour les problèmes techniques que nous avons malheureusement et malencontreusement rencontrés. Certains d'entre vous ont eu juste accès au son, d'autres à l'image, d'autres à rien du tout. Donc voilà, c'était une première et nous vous prions évidemment d'être indulgents eu égard à ces problèmes techniques. Toutefois, j'espère que cela aura donné le goût à certains d'entre vous d'aller visionner ce film qui est disponible sur la plateforme Vimeo.
Voilà. Alors, pour cette deuxième partie qui sera donc consacrée au débat, et je pensais bien évidemment commencer par des applaudissements nourris même de loin. Les pérégrinations au Cameroun dans lesquelles il nous invite pour son message aussi d'espoir, d'une aube nouvelle pour la jeunesse avec l'arrivée au pouvoir d'une femme au poste de présidente de la République. Alors, bien évidemment, compte tenu du fait qu'un certain nombre d'entre vous n'ont pas pu voir le film, et que dans quelques jours, cette conférence sera mise en ligne. Nous allons revenir plus en détail avec toi, Jean-Pierre, sur ce film. Alors, je voudrais commencer. Je vais te poser comme première question. Comment t'es venue l'idée de créer ce film inclassable à la jonction de la fiction et du documentaire, dans la mesure où tu fais intervenir un certain nombre, non pas de personnages, mais de personnes qui existent, comme le constitutionnaliste ou même le rappeur Valsero? Bon, bonjour, bonsoir, et merci pour cette conférence débat. Parce que quand on fait des films, on ne sait pas toujours pourquoi on les fait, on ne sait pas à quoi ils vont servir. Il y a comme un désir comme ça juste de s'exprimer. Et je pense que ce désir de s'exprimer pour moi a été très fort à un moment donné, de parler en fait. Je dirais que le cinéaste a eu envie, disons, de faire une intrusion dans ce qui semble réservé aux journalistes, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment que dans ce débat, c'est une question de démocratie, de pouvoir politique. Le cinéaste arrive toujours trop tard. Il arrive à la fin, quand tout est fini, pour nous dire, ah, Mobutu était quand même, disons, quelqu'un de... Voilà. Et pour moi, je regrettais que le cinéma ne puisse pas rentrer dans le débat, intervenir d'une manière ou d'une autre, en se trompant aussi, évidemment, hein, parce qu'on n'est pas sûr qu'il va choisir, disons, la bonne approche. Mais toujours est-il que le cinéma, bourgeois dans le sens où il arrive quand tout est fini et ne prend aucun risque, me posait un problème. Donc je me suis dit, c'est bien d'essayer d'entrer dans ce débat. Nous vivons au Cameroun depuis 38 ans avec un président. Et évidemment, au bout de 38 ans, on devient quasiment un personnage divin. Hein, parce que finalement tout dépend de lui et que finalement quand on y vit, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte ou bien que c'est devenu une chose naturelle comme quand il pleut ou quand le jour se lève. Paul Biya, c'était un peu ça. Donc l'idée était de dire comment le cinéma raconte ça et puis comment le cinéma va raconter une histoire d'un homme que les gens connaissent de toutes les façons parce que tout le monde le connaît mieux que moi d'ailleurs ici. Donc ce n'était pas l'idée de parler de lui en tant que tel. Et puis surtout il fallait que ça reste du cinéma, c'est-à-dire que ce ne soit pas lui vraiment. Donc voilà un peu comment il fallait disons jongler pour évidemment essayer de comment je peux dire ça de proposer une forme de cinéma qui est en phase avec toutes ces choses-là, qui, disons, fait une intrusion, et ça ne pouvait être qu'un cinéma expérimental. Alors oui, c'est enfin tu fais la transition idéale pour ma deuxième question, c'est pourquoi ce flirt permanent avec les limites, d'autant que la ressemblance avec la situation camerounaise n'est sans doute pas fortuite. Et je rappellerai que à sa sortie, ton film a fait l'objet de censure au Cameroun. Bah, je pense que, bon, d'abord, les gens qui ne voulaient pas qu'on voit le film n'avaient pas vu le film d'abord. Donc, je pense que c'était un objet qui était un peu délicat, disons, pour ceux qui avaient un poste, disons. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un poste qui dépend d'un décret présidentiel et que un film qui parlerait du président, peu importe, mais qui semble blasphématoire, parce que nous sommes de l'ordre du divin ici, quelque part, était une patate chaude pour tout le monde. Donc évidemment que personne ne voulait
prendre le risque de dire que voilà, ce film-là, je vais laisser qu'on puisse le montrer. Bon, évidemment, beaucoup de gens l'ont vu après. Je ne vais pas dire ce qu'ils en ont pensé, puisqu'il y en a qui sont toujours au pouvoir, qui l'ont vu et qui ont fait des commentaires. Mais ce qui est clair, c'était, et c'est la remarque, je me souviens, quelqu'un a dit, tu veux qu'on aille dire au vieux là que j'étais là dans la salle quand on montrait un film qui montre comment il va finir? Donc, tu comprends exactement la dimension un peu de cette censure. Parce qu'au Cameroun, on parle beaucoup de choses, on dit beaucoup de choses. Mais là, c'était une auto-censure, en fait, de dirigeants quelque part qui ne voulaient pas être associés à l'idée que le président pourrait partir un jour. Mais comment se fait-il que paradoxalement, tu n'aies pas rencontré de problème autre que la censure, sachant que le rappeur Valsero, par exemple, qui a pris fait et cause pour l'opposant politique de Paul Biya, a quant à lui subi une certaine oppression et a passé plusieurs mois en prison. Bon, ce n'était pas lié au film, hein. Je crois qu'il faut quand même être clair. Il n'a Oh, pas été arrêté bien sûr, dans le film. Bon, je veux dire, oui, non, mais je pense que c'est clair que, c'est clair que l'idée de la démarche, donc évidemment, d'activiste de Valsero, c'est pour ça que je le sollicite pour le film. Parce que j'estimais que le cinéaste est un peu lâche, c'est-à-dire que le cinéaste, finalement, il vient filmer les gens qui sont en action. Donc, c'est eux qui sont en action, bon, c'est eux qui sont devant. Donc, je cherchais des gens, je me disais, il faudrait trouver ceux qui sont en action. Et à l'époque, déjà, parce que Valsero n'était pas à l'époque membre du parti MRC de Maurice Kamto, il était quand même un activiste et qui vraiment voulait le changement. Et c'est vrai que son discours était dans les chansons et dans tout le reste, était très, très fort. Et que pour moi, il était un modèle dans ce sens-là, c'est-à-dire de ceux qui sont sur le terrain et mènent un combat assez rude. Bon, et que il est allé. Il a été conséquent, il est allé jusqu'au bout de sa démarche, ce que je respecte énormément, puisqu'il a milité pour un parti, il a été arrêté pour ses idées, il a fait la prison. Et je crois que ce genre de personnages, pour moi, ce sont des personnages qui méritent des films, en fait. Hein, donc, le film n'est pas sur lui, mais c'est important. Bon, moi, je suis un peu cinéaste, donc du coup, je n'étais pas en action comme lui, puisque je dois filmer quelqu'un. Et c'est pour ça que je dis, moi, je suis un peu en retrait, et lui, il est plutôt devant. C'est pour ça qu'évidemment, c'est beaucoup plus Vraisemblablement, flatteur. oui, mais vraisemblablement, c'était quand même un film qui dérangeait. Bah, le problème, c'est qu'il faut bien comprendre qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui dérange en fait hein, dans le film. C'est-à-dire que, bon, j'ai fait un peu un retour en arrière. Le Cameroun est un pays qui n'a jamais choisi son président. Nous avons eu deux présidents depuis 1960. Hein, donc, à chaque fois, le premier est passé, alors sans élection, à l'indépendance. Le deuxième, c'était une succession quasiment organisée, il n'y a pas eu de démission. Et puis, donc, l'idée de changer de président, l'idée de que le président ne soit plus là est tabou, c'est clair. Et nous le vivons actuellement parce que le président, on ne sait pas où il est depuis déjà des mois. Bon, il y a eu une apparition avec l'ambassadeur de France. Tout le monde pense que la vidéo était truquée. D'ailleurs, il y a une pétition contre l'ambassadeur de France qui aurait participé à une mascarade de films, de scènes, de cinéma avec effets spéciaux. Donc, on croyait que la réalité dépasse la fiction. C'est-à-dire que moi, je suis cinéaste, mais je suis bluffé par tout ce qui se passe et tout ce qui se dit en termes de techniques cinématographiques autour du président Paul Biya. Donc, nous vivons une période où on pense qu'il n'est pas là, on ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant, s'il est caché, s'il fuit le corona ou si. Bon, voilà. Donc, personne ne sait ce qui se passe. Donc, le film, il a été fait déjà il y a presque 10 ans. Donc, nous sommes bien avant tout ce qui se passe actuellement. Et le film, on dit, comment sait-on qu'il est temps de partir? Oui, Je alors crois qu'ils c'est sont justement plutôt la question que si je peux me permettre de t'interrompre, puisque c'est la dernière question que je vais te poser afin de donner la parole à Gilles, et sachant que nombre d'internautes n'ont pas pu voir ton film, selon toi, en tant que président, comment et quand sait-on qu'il est temps de partir? Bah, je l'ai Quels dit sont tout de suite, c'est les... comment. Je pense que, puisque nous vivons dans un système où le président est une espèce d'autorité suprême, je pense que c'est comme quand on rend visite à quelqu'un. Si la personne vous dit il est temps de partir, c'est que vous êtes resté trop longtemps. Bon, je pense que c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que quand je faisais le film, c'était dans cet esprit-là. Je me disais, bah, si on le lui dit, c'est que
il est resté trop longtemps. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moment où lui-même sentirait quand même que voilà, c'est bon quoi? Donc, c'était dans ce sens-là que je me disais, l'idéal serait que, en fait, à quel moment on sait que trop, c'est trop long, quoi, en fait. Voilà. D'accord, je te remercie. Alors, sans transition, nous allons passer à une série de questions avec Gilles. Nous travaillons, je le rappelle, ensemble depuis quelques mois sur l'Observatoire des processus électoraux 2020 en Afrique de l'Ouest. Ma première question à ton attention est la suivante. Considérant certes la diversité hein, des situations africaines, mais également des problèmes récurrents dans certains pays, comme des fichiers électoraux truqués ou des coups d'État constitutionnels permettant à certains de se présenter pour un troisième, quatrième mandat, comme ce fut hier le cas au Togo, demain peut-être en Guinée, en quoi les séquences électorales, ces processus électoraux a priori pipés, présentent-ils de véritables enjeux politiques? Merci beaucoup Caroline et merci Jean-Pierre Bécolo de nous donner l'opportunité de voir ce film et d'avoir cet échange. Je ne peux pas commencer sans féliciter Jean-Pierre pour la qualité du film et surtout ce que le film réussit à dire sur les pratiques politiques au Cameroun, mais en fait pas simplement au Cameroun, mais bien au-delà du Cameroun. On reconnaît beaucoup des travers des pratiques politiques dans de nombreux pays africains. Caroline, tu as mentionné la diversité des situations. Je pense que nous l'avons en tête, évidemment, la diversité des situations politiques, mais il est très clair que la plupart de ces pratiques politiques, la difficulté de l'alternance, la corruption, l'impossibilité pour le chef lui-même de décider de partir au bon moment, mais aussi tout ce que ça implique d'influence autour, influence de l'entourage, etc. On reconnaît tous ces éléments dans les pratiques quasiment quotidiennes de nombreux États africains, et d'ailleurs pas seulement. Donc, félicitations à nouveau Jean-Pierre Bécolo pour ce Merci. film et merci Caroline pour avoir présenté aussi le partenariat que nous avons noué Wati et l'IRIS. Alors, pour revenir avant même de revenir à ta question, je voulais juste souligner quelque chose. Vous avez parlé de Val Zéro tout à l'heure. Le film a été réalisé il y a quelques années et entre-temps, on voit bien que la situation, non seulement elle ne s'est pas améliorée, mais elle s'est empirée, il me semble, au Cameroun. Puisque aujourd'hui, on a entre-temps eu donc Val Zéro, mais aussi l'opposant numéro un, celui qui est devenu l'opposant numéro un du président Paul Biya, qui a passé des mois en prison. Donc, on n'avait pas encore ces développements au moment de la réalisation du film de Jean-Pierre. Mais aussi, un autre élément, c'est la dégradation incroyable de la situation sécuritaire. À l'époque, on n'avait pas encore la situation au nord du Cameroun et on n'avait pas la situation dans les régions anglophones avec des centaines de morts. Donc, c'est pour souligner que ces pratiques politiques ont des conséquences désastreuses pour plusieurs générations. Ce sont des conséquences qui sont durables. Donc, derrière, en fait, cette question, quand est-ce qu'il est le temps de partir, il y a de véritables conséquences pour l'ensemble d'un pays et même pour l'ensemble d'une région, parce que si la succession du président Biya se passe mal, un des scénarios, c'est le scénario du pire. On ne peut pas l'écarter en ce moment. Donc, tout cela, cette discussion est extrêmement importante pour l'avenir de nos pays et de l'ensemble de la région. Sur ta question, pour ne pas être trop long, je dirais juste que pour moi, les élections, et d'ailleurs, j'ai souvent souligné cela dans le cadre des discussions aboutissant à notre partenariat, les élections ne sont pas l'élément le plus important de la démocratie. Je crois que pour moi, c'est vraiment un élément très important. Et pour nous, à Wati, on met l'accent sur cette importance de faire la différence entre l'ancrage de la démocratie, c'est-à-dire l'ancrage des valeurs démocratiques, et l'organisation d'élections. Même si on a des élections régulières, ça ne suffit pas pour considérer qu'on est en démocratie. Et je crois qu'on a beaucoup investi, ou parfois fait semblant d'investir dans les processus électoraux, et très peu investi dans l'ancrage des valeurs démocratiques, dans la construction de sociétés démocratiques. Et on le voit dans le film de Jean-Pierre, les pratiques politiques qui n'encouragent pas l'alternance. Et je finirai par cela. Je crois que pour moi, l'une des raisons pour lesquelles les présidents ne partent pas ou ne veulent pas partir, c'est précisément la concentration du pouvoir.
Lorsque vous avez une telle concentration du pouvoir, vous pouvez changer la vie des gens par un décret présidentiel. Évidemment, ça veut dire à un moment donné que vous créez les conditions de votre propre maintien ad vitam aeternam. Et vous avez aussi derrière un réseau que vous avez créé, qui s'est enrichi et qui ne veut absolument pas partir, qui ne vous aime pas particulièrement, mais qui a besoin que vous soyez en place pour continuer à bénéficier des avantages du pouvoir. Et je crois que cet élément est extrêmement important pour comprendre l'absence d'alternance et parfois pour comprendre le fait qu'on peut avoir des surprises. Par exemple, un président qui décide de partir, mais qui fait tout pour choisir lui-même son successeur, ce qui n'est pas tout à fait non plus un indicateur de bonne santé démocratique. Oui, tout à fait. Donc effectivement, je pense que ça rejoint un petit peu la deuxième question que je souhaitais te poser. La démocratie ne saurait être réduite aux processus électoraux. Moi, je voudrais savoir, est-ce que tu observes des éléments de démocratisation en dehors de ces séquences particulières ou non? Est-ce que les mobilisations collectives, comme on a pu le voir au Sénégal, il y en a marre, au Burkina Faso, du Palais citoyen, est-ce que ce sont finalement eux qui sont les soldats de la démocratie? Oui, je pense qu'on revient à la question de la diversité des situations. On a quand même une situation en Afrique centrale, si on raisonne un peu en grands blocs régionaux en Afrique centrale, qui est assez différente de la situation générale, disons, par exemple en Afrique de l'Ouest. Je dis générale pour souligner qu'on a en Afrique de l'Ouest le cas du Togo, qui a connu une élection en début d'année, où on a à peu près la même trajectoire qu'au Cameroun. Hein. On a quand même un président qui est en place maintenant depuis 15 ans et qui a succédé à son père dans les conditions que l'on sait. Et on a une élection controversée, on savait qu'elle allait l'être, contestée, mais finalement, on sort de ce type d'élection avec toujours ce sentiment de frustration qui est en fait qu'on ne sait pas vraiment, on ne saura jamais qui a vraiment gagné l'élection. Et je trouve que là, c'est une frustration qui est extrêmement malaisée parce qu'on investit beaucoup de ressources dans ces processus électoraux et à la fin, on se dit, est-ce qu'il a fraudé? Est-ce que les résultats correspondent à ce que les votants ont réellement choisi? Peut-être que oui, peut-être que non, et on se dit, mais peut-être qu'en fait, il n'y a pas eu de manipulation des résultats, mais qu'il y a une manipulation dès le départ dans la construction du fichier électoral, ce qui aboutit exactement à la même chose. Donc, on a énormément de processus de ce type en Afrique, de processus électoraux auxquels finalement on ne croit pas. On investit, on fait semblant d'y croire jusqu'au moment de l'élection. Après, ça se termine un peu de la même façon et malgré tout, ça donne de la légitimité au niveau international et même au niveau intérieur à un président. Mais je pense aussi que si on prend aujourd'hui le cas de la Guinée, c'est pour souligner jusqu'où on peut aller dans la non-construction de la culture démocratique. En Guinée, il y a eu un double scrutin référendaire et législatif il y a quelques semaines. Et le débat qui est en cours aujourd'hui, ce n'est plus le débat sur la Constitution, qui était déjà un débat très, très, très chaud, avec d'ailleurs des morts là encore, mais c'est un débat sur le fait qu'on a promulgué un texte constitutionnel qui est différent en différents points du texte sur lequel les Guinéens qui sont allés voter, il n'y en avait pas beaucoup, mais ceux qui sont allés voter pour la nouvelle constitution, le texte sur lequel ils ont voté, ce n'est pas le texte qui a été promulgué. Et donc, c'est le débat de ces derniers jours en Guinée. Et cela montre bien à quel point on peut aller parfois dans ce type de manipulation qui montre bien qu'on n'est pas du tout en face d'une volonté de construire de la démocratie, on est en face d'une nécessité pour beaucoup de rester au pouvoir à tout prix. Les mobilisations citoyennes, comme il y en a marre, le ballet citoyen, je pense qu'on peut parler en Afrique centrale de la lucha, parce que ce sont des gens qui se battent, qui prennent des risques vitaux. Et je crois que c'est important de les saluer aussi à l'occasion de cette discussion. C'est des gens qui prennent des risques réellement pour leur vie. On a encore un jeune de la lucha qui a été tué il y a quelques jours. Donc, dans ces pays, on a effectivement des jeunes qui se mobilisent, qui prennent des risques, qui veulent changer les choses. Mais je crois que la limite un peu de ce type de mouvement, c'est que parfois ils réussissent à faire changer un pouvoir politique, mais c'est beaucoup plus difficile de changer la gouvernance, de changer la culture politique.
Et je crois que c'est ce deuxième chantier, c'est un chantier qui nécessite, au-delà de la mobilisation des jeunes dans les rues, ça nécessite aussi que toutes les élites, en tout cas toutes les personnes qui peuvent se mobiliser dans la réflexion et pour nourrir l'action collective, doivent également le faire pour avoir des propositions pour changer la culture politique. Très bien. Alors, c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait différentes situations, puisque nous avons décidé, Wati et Lyris, en toute convergence, de nous intéresser à trois séquences présidentielles, que sont le Togo, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Il y a eu des vivas, des salutations historiques face au désistement supposé d'Alassane Ouattara. Est-ce que tu penses que la pandémie du Covid-19 peut avoir un impact sur ces processus à venir? Comment vois-tu les choses, d'autant que le dauphin présumé de Ouattara est aujourd'hui hospitalisé en France pour des problèmes de santé? Oui, je crois qu'il y a deux questions hein, qu'il faut isoler. Il y a celle de l'impact effectivement de la pandémie sur les processus électoraux en Afrique, en particulier les processus de cette année. Et sur ce plan, on a publié récemment plusieurs contributions sur le site de Wati, justement sur l'impact possible de la pandémie et des mesures qui ont été prises sur les calendriers déjà électoraux et ensuite sur la possibilité d'instrumentalisation, d'utilisation finalement de la crise sanitaire à des fins politiques. Ça peut être d'ailleurs par le pouvoir comme par l'opposition. Et je crois qu'on a encore beaucoup d'incertitudes sur le respect des échéances hein, qui étaient fixées autant pour la Guinée que pour la Côte d'Ivoire, mais pas seulement à cause de la crise sanitaire. Le deuxième point, c'est effectivement la situation particulière en Côte d'Ivoire où pendant longtemps, on ne savait vraiment pas si le président Ouattara allait se présenté ou pas, il avait lui-même fait en sorte, notamment par des changements constitutionnels et des interprétations qui ont été données, fait en sorte d'entretenir un peu le doute sur ses intentions. Alors, ses intentions ont été dévoilées, il y a le candidat du RHDP qui a été choisi, mais effectivement, il est dans une situation fragile du point de vue de sa santé. Ça aussi, on le savait, ceux qui travaillent sur la Côte d'Ivoire depuis des années savaient que le Premier ministre Amadou Koulibaly avait des problèmes de santé assez importants. On espère qu'il va se rétablir, mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui aussi dans une incertitude qui est liée à la capacité du candidat désigné, dauphin du président Ouattara, de pouvoir faire cette compétition. Et d'ailleurs, on peut s'interroger sur l'impact d'une campagne électorale sur la personne d'Amadou Koulibaly à qui on souhaite évidemment un prompt rétablissement. Mais je crois que la question de fond en Côte d'Ivoire, c'est celle que je voulais souligner, c'est que là aussi, on a quand même quelque chose de différent. Je crois que ce n'est pas la même chose lorsqu'on a un président qui décide malgré tout de partir, même s'il essaie de contrôler absolument par tous les moyens la succession. Je crois qu'il y a une petite différence quand même. Électorale, ce qui peut s'avérer quand même problématique. Oui, non, mais c'est ça. Je dis, il y a une différence. Je pense qu'il y a la première décision qui a un élément personnel. Et je reviens au film. Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que ça montre aussi qu'il y a quand même il y a le choix d'un individu à un moment donné. Un individu peut décider de partir, quels que soient les moyens de pression, quelle que soit d'ailleurs la position de son épouse, de son époux, de sa famille. Et je crois que c'est important de le montrer qu'il y a cette capacité de dire « non, moi je décide de ne pas me présenter à nouveau ». Mais derrière, il n'y a pas que ça. Et je crois qu'en Côte d'Ivoire, on voit bien une situation où le président Ouattara décide de partir, dans les pratiques politiques, on ne voit aucune différence significative. C'est-à-dire qu'on a un processus où on voit beaucoup d'éléments qui montrent une volonté de le contrôler absolument. Et parfois, peut-être même en choisissant les compétiteurs. Donc, je crois qu'évidemment, ça montre bien que la question personnelle de partir ou de ne pas partir est importante, mais elle n'est pas suffisante. On doit changer les cultures politiques. Et les personnes qui nourrissent cette culture politique, ce n'est pas seulement le président. Je crois que si on ne reconnaît pas que la société, beaucoup de personnes, un réseau beaucoup plus vaste d'hommes et de femmes, finalement, aussi
pense profiter de la situation en gardant quelqu'un en place ou en ne changeant pas la culture politique. Si on ne dit pas cela, on n'arrivera pas à changer les choses. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de courage et beaucoup plus d'éthique dans la société, dans son ensemble, pour qu'on puisse avoir des cultures politiques qui font avancer nos pays. Ah, je ne sais pas si je peux dire quelque chose, hein, parce que quelque part, ça me parle beaucoup ce qu'est en train de dire Gilles Abine. Je suis impressionné par sa compréhension et sa connaissance, d'ailleurs, de toutes ces situations-là, et, y compris celle du Cameroun. Et il y a quelques jours, il y a deux jours, je crois, très précisément, donc le leader de l'opposition, Maurice Kamto, a fait une espèce de discours où il met en garde le régime contre une espèce de gré à gré qui est en train de s'organiser pour, évidemment, passer le pouvoir éventuellement à un dauphin qui n'est toujours pas désigné, semble-t-il. Et donc, le prochain président pourrait être un président par décret encore. C'est-à-dire qu'on aurait quelque part esquivé les élections. Donc, je dis juste ça parce qu'effectivement, au Cameroun, on a cette question. C'était il y a deux jours. Très bien, je vous remercie tous les deux pour la qualité de vos interventions. Je suis désolée si je ne vous ai pas toujours semblé extrêmement concentrée, parce que j'essaie de lire les questions des internautes, ce qui est un exercice pas évident ou à tout le moins assez nouveau pour moi. Alors, je tiens d'emblée à souligner qu'il y a énormément de félicitations à ton endroit, Jean-Pierre, concernant ton film qui, visiblement, a remporté un franc succès. Certains le comparent même au Gondwana africain. Voilà, donc cela permet à certaines et certains de découvrir le cinéma africain par ton biais. Et bien évidemment, je t'en remercie. Alors, nous avons d'autres questions. J'invite les internautes à les poser dans la petite case questions et je vais essayer tant bien que mal de vous les transmettre. Alors, première question, la démocratie en Afrique, faut-il vraiment élire les présidents selon vous, oui ou non? Même si Jean-Pierre, tu as déjà apporté un début de réponse. Ben, je sais pas, vas-y, parce que Gilles a l'air beaucoup plus aguerri, donc vas-y, hein, lance-toi. Bon, après, moi, je vais me lancer, Caroline. C'est une excellente question, à mon avis, parce que la réponse peut sembler évidente, mais à mon avis, elle ne l'est pas. C'est-à-dire que, personnellement, je considère, je l'ai déjà dit, que les élections ne sont pas le marqueur le plus important de la démocratie. Mais je pense qu'on peut même aller plus loin en disant que la réflexion sur les élections présidentielles en particulier doit se faire en Afrique comme ailleurs à nouveau, où on a eu historiquement une évolution de tous les systèmes politiques ou de beaucoup de systèmes politiques vers des systèmes qui donnent énormément de pouvoir au président. Donc, lorsque vous avez un système avec une élection présidentielle et que vous avez en même temps des institutions qui sont trop faibles par rapport à l'institution présidentielle, vous avez effectivement souvent un résultat qui n'est pas vraiment un bon résultat pour l'ancrage de la démocratie et de l'alternance et surtout pour que la démocratie produise des résultats. Pour moi, c'est important qu'en Afrique, on bâtisse des démocraties qui produisent des résultats pour les populations. Sinon, on n'aura plus de démocratie. À un moment donné, les populations se diront, bah, de toute façon, les élections créent des crises, les élections ne permettent pas d'avoir des politiques de santé, des politiques d'éducation, des politiques économiques qui donnent de l'emploi aux jeunes, la démocratie ne permet pas d'avoir la sécurité. Alors finalement, on préfère un dictateur éclairé, et moi je dois dire que j'entends beaucoup ça et je lis beaucoup ça de la part de beaucoup de jeunes sur le continent, et c'est assez inquiétant. Donc, pour répondre à ta question, faut-il élire les présidents? Je pense que pour l'instant, oui, il faut. Je suis aussi un réaliste, donc je pense qu'on ne pourra pas changer tout de suite de système et proposer des alternatives à l'élection présidentielle au suffrage universel. Je pense aussi que la pratique s'est tellement installée auprès des populations qu'on ne peut plus leur dire, finalement, le vote
au suffrage universel pour le président, ce n'est pas la meilleure solution. Mais je crois que ce qu'il faut faire dans le moyen terme, c'est de construire tous les autres éléments qui donnent du sens aux élections. Tous les autres éléments qui donnent du sens aux élections, c'est l'éducation civique. Dans combien de pays on a une institution qui soit dédiée à l'éducation civique? On a ça au Ghana, par exemple. On a ça dans quelques pays. En Afrique du Sud, vous avez toute une série d'institutions indépendantes qui permettent d'équilibrer les pouvoirs et vous avez un travail qui se fait de manière permanente sur l'éducation politique. Si on n'a pas d'éducation civique, comment voulez-vous que les électeurs votent en ayant, disons, un certain nombre de critères en tête? Et donc, je crois qu'on peut faire énormément de choses et nous avons déjà fait des propositions au niveau de Wati. On peut faire des réformes institutionnelles pour donner plus de sens aux élections et faire en sorte que la démocratie soit permanente. Mais quel, par exemple, est-ce que selon toi, le fait que la Constitution, malgré des révisions, ait été plus ou moins calée sur celle de la Ve République est problématique pour un certain nombre de pays africains? Oui, bon, pour moi, c'est une évidence que les constitutions qui sont encore très proches de la Ve République française, qui par ailleurs, elle a évolué sur beaucoup de points, je crois qu'évidemment, c'est problématique. Mais je pense aussi qu'il faut être, disons, il faut être précis. Il y a très peu de constitutions aujourd'hui, même dans les pays francophones, qui sont des copies exactes du modèle de la Ve République française. Il y a eu des changements, mais parfois des changements qui ont simplement renforcé encore plus les pouvoirs présidentiels dans les pays, en particulier francophones. Et je pense que les propositions que nous avons faites à Wati sur les réformes institutionnelles, ce qui me semble être important, c'est de ne pas penser qu'il y a une sorte de solution magique qu'il y a un seul point à changer. Je crois qu'il y a énormément de points à changer en même temps. Et l'un de ces points, c'est à mon avis le débat public. Moi, je crois beaucoup à ce que la démocratie soit aussi considérée comme un système qui permet un débat public ouvert sur les questions cruciales pour les pays de manière permanente. C'est-à-dire qu'on fasse participer les citoyens aux discussions sur la sécurité, sur l'éducation, sur la santé, sur les vraies questions de politique publique. Et si on réussit à créer une institution, par exemple, qui alimente ce débat public de manière permanente, je crois que ce sera un élément très important pour donner du sens aux démocraties qu'on essaie de construire. Et il y a d'autres réformes précises sur lesquelles nous avons déjà travaillé, mais une qui me semble être importante, c'est aussi les institutions de contrôle. Si vous n'avez pas une Cour constitutionnelle qui soit réellement indépendante ou qui ait des moyens d'être indépendante, évidemment, vous n'avez vraiment pas de contrôle. Et on a aujourd'hui beaucoup de pays, y compris, par exemple, un pays en Afrique de l'Ouest, dont j'ai la citoyenneté, le Bénin, qui est concerné, où on a vraiment le sentiment, à un moment donné, de beaucoup d'institutions, voire de toutes les institutions, qui sont complètement contrôlées par le pouvoir présidentiel. Et même si cela peut sembler anodin à court terme, ça finit toujours par produire des dangers importants pour le pays. D'accord. Tu parlais de processus démocratique dans le sens où ce serait aux populations finalement de s'emparer du débat public. Il y a pourtant eu des tentatives de dialogue national au Mali, par exemple, ou dans d'autres pays. Tu considères que ces différentes expériences sont finalement des échecs? Je crois qu'on le fait très mal. Je pense que ce qu'on a en tête, ce ne sont pas des dialogues à un moment donné où on rassemble 500 personnes dans une salle avec deux semaines de préparation. Je crois qu'on ne fait pas les choses de manière sérieuse. Je crois qu'on ne peut pas. Si on veut faire les choses de manière sérieuse, il faut les travailler dans le détail. On a tendance à prendre des décisions, parfois à créer même des institutions. Et finalement, une fois qu'on a créé l'institution, on ne passe pas beaucoup de temps à regarder si les modes de composition des membres de cette institution, est-ce qu'on crée les conditions pour que les membres de l'institution, si elle doit être indépendante, le soient vraiment? Est-ce qu'on crée des possibilités d'autonomie financière pour ces institutions de contrôle? Si vous créez une institution, par exemple, de contrôle, y compris des comptes publics, et que vous n'avez pas d'autonomie financière, le gouvernement, il va simplement faire en sorte que l'institution n'ait pas les moyens de fonctionner. Et donc, tout ce que vous essayez de bâtir ne fonctionne pas dans la réalité. Donc, je crois que maintenant, si on veut vraiment changer des choses, on doit travailler à un niveau beaucoup plus élevé de détails. Les dialogues nationaux ponctuels
peuvent être utiles pour sortir de situations de crise particulière. Mais ce que nous proposons, c'est que on construise vraiment des institutions, au moins une institution, qui soit chargée d'animer en permanence des débats publics sur un certain nombre de questions qui sont vitales pour la société. Parce que ça va changer le sens que ceux qui ont le pouvoir, le sens qu'ils ont justement de leur pouvoir. Ça va leur montrer que la sécurité au Cameroun, ce n'est pas simplement la responsabilité du président et que les citoyens sont tout à fait légitimes à apporter leurs idées sur comment est-ce qu'on fait pour améliorer la sécurité. On peut dire la même chose pour les domaines les plus importants, l'éducation étant pour moi un domaine absolument fondamental. Ce qui est important, excuse-moi de prendre la parole sans que tu me l'aies donné, Caroline, juste parce que je suis tellement édifié par ce que dit Julie Rabhi, c'est-à-dire qu'au Cameroun, juste pour parler effectivement des citoyens, nous avons eu avec le COVID-19 une situation où un parti d'opposition prend l'initiative de récolter des fonds pour aider les gens, ils ont été arrêtés par le gouvernement. Donc, vous voyez, alors que les populations sont dans un besoin total, il n'y a pas des moyens pour lutter contre cette pandémie. Et on voit bien que le monopole, en fait, de l'action est une affaire. Chez nous, en plus, c'était les dons du chef de l'État. C'est-à-dire que ce n'était même pas l'État, c'était le chef de l'État, donc la personne du chef de l'État. Donc, je veux en revenir à ça, à ce qu'il disait, parce que le point, en fait, c'est que nous ne sommes pas sérieux. Nous avons une élite, au fond, qui n'a pas décidé que l'Afrique devrait, disons, à la limite, améliorer les conditions de vie des populations qu'on devrait construire l'Afrique. Au fond, l'élite, au fond, triche. Ce qui se passe, et c'est là où nous, peut-être parce que nous n'avons eu que deux présidents depuis l'époque coloniale, où nous voyons très bien d'où ça vient, c'est-à-dire que, disons, les petits privilèges qui ont servi à acheter ceux qui allait servir de bouclier contre ceux qui luttaient pour l'indépendance. C'est-à-dire que il y a eu au Cameroun donc une lutte de libération nationale, tout le monde connaît, et puis tous ces militants donc du Cameroun, des partisans du parti qu'on appelle UPC, qu'on appelle toujours la UPC, se sont vus marginalisés parce que le régime colonial a acheté la nouvelle génération. C'est-à-dire que c'est elle qui a pris le pouvoir et qui est au pouvoir jusqu'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que les petits privilèges sont vraiment ce qui fait la vie politique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a les petits privilèges, mais tu n'as pas de petits privilèges, tu n'as pas le décret présidentiel. Et on parle du fameux article 2, c'est-à-dire que l'article 1 te nomme, l'article 2 dit l'intéressé aura droit aux avantages et aux privilèges. Donc, vous voyez très bien qu'on n'est pas sorti de là. Et quand je parle du Cameroun, où évidemment, Maurice Kamto soupçonne une espèce de gré à gré, c'est tout simplement que les administratifs qui donc vivent, parce que c'est eux les petites élites, qui vivent du décret présidentiel, finalement, c'est eux qui font la vie politique, la vie publique, et qui monopolisent cette vie, et qui n'acceptent pas qu'un brin d'action ou d'activité soit délégué ailleurs. Donc, évidemment, il parlait aussi du manque de performance. C'est-à-dire que, évidemment, qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien qui marche, mais n'empêche qu'on n'estime pas qu'il est possible que le pouvoir aille, ne serait-ce qu'un bout de pouvoir puisse être remis à la population. Donc, ce qui se passe, pour moi, je trouve actuellement, c'est que le président est le prétexte, en fait. C'est-à-dire que si le président n'a pas le décret présidentiel, le président n'est rien. Donc, le président nomme, je crois, jusqu'au chef des services. Les chefs des départements à l'université. C'est-à-dire, je crois que ça va très loin, si tu veux. Donc, je ne sais pas exactement, mais ce n'est pas loin de ce que je dis. Donc, vous comprenez que on parle de la 5e République. Non, parce que Maurice Duverger, qui écrivait la Constitution du Cameroun, a dit que c'était tous les pouvoirs de Gaulle, plus. Donc, c'est des royaumes, au fond, je vous dis très franchement. Bon, maintenant, rien n'a été enlevé, même s'il y a une modification, les pouvoirs n'ont pas été enlevés. Donc, nous comprenons très bien que ce que nous traînons… Alors, Jean-Pierre, je vais être obligé de te couper. Ce que nous traînons, je vais terminer. Ce que nous traînons, nous traînons en fait une élite qui fait un théâtre. Vous savez, nous, au cinéma, quand tu fais un film, parce qu'ils font du théâtre, bon, c'est comme un film, on te demande la note d'intention. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu essayes de faire, en fait? Donc, quand on regarde l'intention réelle de l'élite, ce n'est pas de développer l'Afrique, ce n'est pas que les choses aillent mieux, c'est tout simplement des petits privilèges. J'arrête là pour l'instant.
En fait, je vais prendre deux, trois questions encore, puisque nous allons donc arrêter cette session fort passionnante à 20 h. Donc, je vais choisir des questions auxquelles chacun d'entre vous pourra répondre. Un internaute souligne que Jean-Pierre a ton attention, que dans ton film, tu jettes un regard presque tendre sur le président, coupé du peuple par ses conseillers, mais qui partait d'une bonne intention, oubliée en cours de route. Bon, si je comprends bien, en fait, je n'étais pas en train de faire un film sur Paul Biya et son bilan. J'étais plutôt en train de faire un film sur l'idée du départ. Parce que je trouvais que c'est la plus grande crise qui attend le Cameroun. Et je crois que nous sommes en train d'entrer dans cette phase-là. C'est-à-dire que la crise du départ du président, c'est la crise qui attend le Cameroun. Et soyez prêts, parce que je crois que quand on voit le départ de Mobutu, donc tous les longs règnes, hein, c'était 10 ans de guerre, je crois, au Congo, plus, en Côte d'Ivoire, au Fouet. Donc, je crois que c'est ce qui nous attend. Et je me suis dit, il faudrait quand même, avant, et le cinéaste, je me disais, je ne peux pas penser, j'espère me tromper, voir ce schéma se dessiner et ne pas en faire un film. Donc, ce n'est pas un film sur le président, ni son bilan, c'était l'idée de l'alternance, la longévité. C'est-à-dire ce que certains appellent maintenant les gouvernants perpétuels. C'est-à-dire qu'il faut que le régime reste et ça passe maintenant de père en fils. Ce qu'on est en train de subodorer au Cameroun aussi. Est-ce que tu penses, avance un internaute, que tout n'est pas à refaire dans ce pays? Je pense que j'ai dit toujours, Pose de nous caution. attendons notre année zéro. Nous attendons notre année zéro. Nous sommes à notre année moins un, moins deux, moins trois, je ne sais pas. Et nous attendons désespérément notre année zéro. D'accord, merci. Dernière question pour toi, Gilles. Comment crédibiliser nos processus? Comment sensibiliser nos concitoyens sur leur rôle en tant qu'acteurs du changement? Oui, enfin, vaste, vaste question. Je crois que pour moi, ce qui est important, c'est justement de ne pas voir simplement les processus d'un point de vue technique. Ce n'est pas la technique électorale qui est en cause. Ce ne sont pas les nouvelles technologies qui vont nous permettre d'avoir de belles démocraties. C'est vraiment l'engagement, effectivement, des citoyens. Et je crois que pour moi, un élément essentiel, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'éthique, c'est de reconnaître, et Jean-Pierre l'a dit, il faut qu'on reconnaisse que les systèmes ne tiennent que parce qu'ils sont nourris finalement par beaucoup de personnes qui profitent directement des privilèges ou qui en profitent indirectement et qui finalement simplement se disent ben, bon, écoutez, si je peux rentrer dans le système et au moins survivre, avoir de quoi nourrir ma famille, ben, finalement, ce n'est pas très grave. Donc, ça veut dire finalement qu'on se retrouve avec des sociétés où personne ne pense l'avenir de manière collective. Et des sociétés où on sacrifie des opportunités énormes. Le Cameroun est un pays d'une riche diversité. C'est un pays formidable avec des personnalités d'ailleurs formidables au Cameroun comme dans la diaspora. Mais c'est assez sidérant de voir qu'un pays comme ça peut se retrouver dans une telle situation précisément parce qu'on a des lumières individuelles, mais on n'a pas ce sentiment de pouvoir construire quelque chose ensemble. Mais je parle du Cameroun parce que on discute sur la base du film de Jean-Pierre Bicolo, mais je crois que ça va bien au-delà du Cameroun et c'est une nécessité pour tous les pays de la région. Caroline, j'aimerais quand même finir sur un point de détail pour dire que ce que Jean-Pierre disait tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas sérieux. C'est aussi qu'on doit travailler vraiment de manière précise. Ce qu'il a souligné sur les décrets, on fait comme s'il y a des choses qu'on ne peut pas changer et comme si on doit forcément aller copier des modèles, des institutions qui existent ailleurs. Et comme si on ne peut pas innover pour corriger des problèmes qu'on voit. Le problème de la nomination par le président de quasiment tout le monde dans l'administration, on peut tout à fait décider dans une constitution de changer totalement de modèle et de faire en sorte qu'on ait d'autres types de nominations. On peut faire en sorte que même au niveau du gouvernement, on ait des filtres. Et là, il y a des pays qui ont des filtres, c'est-à-dire que le président ne nomme pas qui il veut ministre. Il doit passer, par exemple, par un système de validation par l'Assemblée nationale. C'est une petite chose, mais ce sont des petites choses qui changent le rapport entre ceux qui gouvernent et les populations qui attendent que les gouvernants le fassent à leur bénéfice.
Alors, bien évidemment, nous arrivons au terme de cette session. Je vous remercie tous les deux d'y avoir participé, de nous avoir éclairé chacun de vos différents points de vue, de vos analyses qui ont permis considérablement d'enrichir notre lecture des diverses situations africaines. Et je vous remercie également. Eh bien, finalement, de nous avoir donné le goût de l'avenir. Effectivement, tout n'est pas parfait. L'Afrique est sans doute à un point de bascule. On ne sait pas de quel côté elle ira, mais en tout cas, avec de la volonté et du sérieux, eh bien, peut-être, comme Jean-Pierre Bekolo, eh bien, l'avenir d'un jour nouveau se révélera. Voilà. Je vous remercie. Je veux remercier aussi les internautes d'être restés tout du long de cette session. Je suis désolée de ne pas avoir pu lire toutes les questions, mais voilà, c'est le jeu. Je vous remercie, je vous dis au revoir et à bientôt peut-être. Merci beaucoup. Au revoir. Okay, merci, au revoir. Merci, au revoir.